Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Meilleur 11 en compagnie de Pedro sur sa console. Salut. Bonjour à tous et on est sur ma console, donc ma victoire sur PlayStation 4. Et on peut aussi dire qu'à côté on a quelqu'un de très exceptionnel qui n'est ni plus ni moins que le grand, l'énorme, le gigantissime Alpha 45200. Bonsoir Alpha. Bonsoir, est-ce que tu parles de mon sexe là? Parce que j'ai un peu peur. Alors on recommence sur FIFA, c'est pas voilà. Sur FIFA 15, on vous le fait des... Donc voilà, FIFA 15, et donc nous allons faire le meilleur 11 qui a légèrement changé. Car non, pour la même équipe. Ah bon, oui, c'est ce que j'allais faire, mais je pensais qu'on commençait par Chelsea, tu vois. Non, justement, c'est... D'accord. C'est le deuxième épisode qui arrivera bientôt pour vous. Très bien, alors nous commençons par le Real Madrid. Donc c'est parti, ah, tu prends le maillot rose, d'accord. Je prends le maillot. Tu sais, il y avait un maillot noir aussi. Hein. Oui, non, mais ça, ça y est. Bah, le rose, c'est joli. Est-ce d'homosexuel? Non, non, toi. Voilà, donc c'est pour parti. Moi, la compo me va très bien. Par contre, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Un peu de match. Tout à fait. Et donc, là, ça risque de faire légèrement mal. Hein. On aura certainement des compos différents. Voilà. Parce que tactiques différentes, etc. Donc voilà, bon moi je vais rien changer. Hein. C'est pour ça que je vais vous la présenter tout de suite parce que j'avais modifié ma compo dans gestion d'équipe pour l'avoir tout de suite. Donc alors, j'ai mis Casillas dans les buts, défenseur droit Carvajal, une charnière défensive avec Varane et Sergio Ramos qui est le capitaine. Marcelo à gauche qui a perdu un point, qui avait 83 avant, qui a maintenant 82. Ah oui, ouais. Kroos et Modric, charnière milieu récupérateur, voilà. 1-2-3. Bale à droite, sur l'aile gauche Ronaldo bien sûr, milieu offensif James Rodriguez et puis Benzema en pointe. Voilà, à vous madame. Je vous en prie. Alors pour moi ce sera Casillas, Sergio Ramos, Pepe. Pourquoi Pepe? J'aurais pu mettre Varane. Mais le problème c'est que j'attendais à ce qu'il augmente beaucoup plus jusqu'au niveau de Varane, jusqu'au niveau de Pep. Et le problème c'est qu'ils l'ont pas fait. Et que du coup bah, il reste quand même 2 points de général, et 2 points de général c'est pas négligeable. Donc Carvajal, Marcelo, t'as bien précisé qu'il a perdu un petit point, c'est un peu dommage. Kroos, Modric pour milieu défensif, en milieu offensif James Rodriguez. J'ai fait le fameux truc que tu n'aimes pas avec Ronaldo devant et Benzema sur le côté. Parce que Benzema est au final pas trop lent non plus. Et Bale sur le côté, donc voilà. On va toucher à quelque chose je pense. On va essayer si ça bug pas parce qu'on avait fait un petit match d'essai. Alors moi je ferai pas personnellement. Hein. Voilà, et nous ça avait bugué, donc c'est la petite nouveauté de ce FIFA. Ah, voilà. Et justement c'est ouais. On peut donner à chacun de ces joueurs un ordre en fonction de leur poste. Et donc le premier mot que j'ai eu qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu ce FIFA, ça a été waouh. Le premier mot qui est venu à Delta quand il a vu ce FIFA, c'est mouais. Et le premier mot que Delta a eu en voyant ce FIFA, c'était Alpha plutôt, oui. Vraiment qu'Alpha a eu en voyant ce FIFA, c'était Bougnoul. Voilà. Chacun son idée du son avis personnel. FIFA, voilà. En tout cas, on vous laisse les animations. Bah tiens, on va encore. Il faudrait pas qu'on perde justement cette habitude de laisser les animations pour vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Voilà. Sur PS4, ce que c'est. PS4. PS4. Donc moi j'ai pas encore la PS4. Donc c'est pour ça que pour l'instant on en profite pour retourner chez Pedro. Voilà. Mais d'ici la fin de l'année, je pense que ça pourrait se faire même à distance à la limite. Voilà. Puisque sur le même jeu, on pourra jouer en même temps. Distance. Et parler sur Skype pour commenter. À distance. À distance. À distance. Voilà. Il a failli se casser la gueule. C'est pas drôle. Et donc on peut le voir, le stade qui est quand même magnifique, contrairement modélisé. Voilà. Voilà. On peut voir les vainqueurs et à côté les gays. Qui est vainqueur de la Ligue des Champions, la Décima. Voilà. La Décima. Voilà, de la meilleure équipe, le meilleur club du monde. Voilà, Casillas qui a perdu 2 points. Et ça se ressent. Ça se ressent dans ce jeu. C'est vrai que comparé à du Courtois ou à du Neuer qui ont chopé des points et qui font vraiment la différence par rapport à Casillas. Il est en train de descendre dans ce classement des gardiens. Voilà. Même Lloris, c'est un point de plus que lui. Lloris est passé à 85, ce qui est très bien. Oui, c'est très bien. C'est mérité. Et Tchetch a pas bougé, il me semble, de son côté. Non, 85. Donc, les Courtois gardiens, qui est passé à 86. Les gardiens élites qui sont vraiment très hauts, hein, avec Tchetch, Lloris, Marchand, tout ça. Neuer, qui est à 90. Voilà. Et Casillas qui redescend petit à petit dans ce classement. Ça risque de faire mal. Voilà.
Donc un petit 4-3-3 pour voir. Toi, t'avais pas changé, t'avais laissé 4-2-3-1. 4-2-3. Voilà, j'avais essayé de faire mes gestions d'équipe. Donc... Voilà, et moi, j'ai voulu justement mettre ces petits attaquants un petit peu plus haut pour. C'est magnifique. Et on voit là Sergio Ramos qui a déjà du vert sous les bras, ou c'est plutôt le reflet du terrain avec la lumière. C'est pas Sergio Ramos. Si, si, je crois. Il me semblait que c'est Caparal. Ouais. Non, Caparal il a la barbe. Rencontre arbitrée par Pedro Orteguilla. Sergio Ramos il a une tête comme ça, hein. C'est un espagnol. C'est... Ils se ressemblent à peu près tous. Hein. Alpha. On sait très bien ce qu'il a envie de dire. Écrit Pedro. Pedro. Voilà. Allez, c'est reparti pour cette saison. On avait déjà commencé sur Video Gaming QG. Vous pouvez aller retrouver toutes nos séries sur FIFA 14, mais pas mal de changements depuis tout ce temps. Donc voilà, c'est parti pour cette saison qui, j'espère, sera fructueuse. Voilà, vivifiante. Vivifiante. Mais cela n'est pas qu'une blague. Un but. Et bien sûr, avec notre magnifique commentateur qui est. En un but. Le commentateur avec des réflexions très pertinentes qui est Alpha. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on avait fait dans la dernière fois avec Video Gaming QG, c'est qu'on avait changé les équipes, ce qui pouvait des fois faire des scores assez. Considérable, hein. Par contre, quand on voyait le Argentine-Portugal, ah, oui, qu'on avait fait, où tu avais totalement dominé 5-3, il me semble, on voyait la différence. Donc, du coup, on essayait de vous mettre les mêmes équipes. Et l'ouverture du score, j'avais dit 2 mois. Rames Rodriguez. Voilà, 2 mois. Rames Rodriguez. La saturation du micro. Les oreilles. Ah ouais, faut pas avoir de bons casques dans ce cas. Et 5. Ou justement avoir des casques si tu regardes ça la nuit. Et 500. Et 500 abonnés viennent de perdre leurs oreilles. Voilà. Et 500 abonnés. Donc on peut entendre les insultes en fin de vidéo. Voilà, c'est pour ça. Et on a dit aussi, on laisse les ralentis. Je sais pas si on a laissé les ralentis. Ah non, du tout. Bah, c'est pas grave, on y pensera. Bon, il y aura certainement des buts. 5 minutes déjà en but. Il faut que j'arrive à jouer. Ouh là là, Ramos Rodriguez qui a été pas mal quitté. Ouais, il mériterait peut-être quand même au moins un point de haut. Moi j'aurais laissé à 4. Moi je l'aurais rajouté qu'un point, il avait 83, il a maintenant. Oula, il a maintenant... Le but de Cristiano Ronaldo. Voilà. Ramos Rodriguez qui avait 83, qui est passé à 86. Excusez-moi. Il aurait dû avoir 84. Ouais, bah oui. Et grande nouveauté aussi de ce FIFA, on l'attendait, on l'avait dit, même si on attendait qu'il perde un peu plus, Messi a perdu un peu. Voilà, on peut même envoyer de la musique, mais là, il n'y a pas nos PC, donc c'est Alpha qui va chanter. Allez, Alpha, chante, il chante. Voilà. Voilà, on rappelle cette diva. Cet homme a gagné The Voice, on le rappelle. Lequel? The Voice Maison. The Voice Maison. Au revoir, je vous et en TVD. Oh là là. Non, je vais pas dire. Non. Si vous voyez très bien de qui je parle. Voilà, les abonnés un peu plus anciens comprendront. Et les abonnés qui regardent Minecraft aussi. Puisqu'ils y participent. Carton plein de 1956 à 1960. Oui. Évidemment historique. 5 victoires. Et il arrête pas. Ah bah d'ailleurs non, je l'ai dit en avance, mais il fait son arrivée dans la série puisque l'épisode n'est pas encore sorti, mais il est sorti chez Ghost Rider qui avait sorti son épisode bien en avance hors jeu. Si on parle, bien sûr, on peut le dire, on parle de ta petite soeur. On parle de celle de Alpha. Toi, c'est pas de la mienne que parle aujourd'hui. Ah, c'était de la tienne que je parlais. Celle qui est encore plus connue que Katy Perry. Mais on la connaît pas pour les mêmes raisons. Voilà, la sœur de Alpha, si vous suivez ces vidéos, Alpha, vous comprendrez très vite qui est en réalité sa sœur. Voilà, sa chaîne sera dans la description. Ah, encore un jeu. Non, il y a plus en encore. Attends. Parce que nous, on n'a pas le... Ouais, il y a faute. Mais nous, on n'a pas le son du jeu, c'est pour ça qu'on voilà, c'est pour ça. Et il me semble qu'il y a penalty. Et voilà. Le suspense, Cristiano Ronaldo devant Casillas, son gardien. On avait arrêté pas mal tout à l'heure. Et voilà, l'arrêt. De Iker, San Iker Casillas. Iker Casillas. El mejor gardien. Regardez comme le gardien vient du coup. Si, on est bien. On est bien.
Si, pero... On y va. C'est pas des choses chelous, non. Non. Je sais pas. Ami, me gusta chocolate. Allez, c'est parti avec le centre de cross. Mais oh, oh le but, oh le but, le but, le but, le but, le but. Gareth, 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 Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale. Oh là là, Casillas, on voit bien qu'il a plus 86. Casillas qui s'est trouvé sur ce coup-là. Oui, comme la sœur. On voit aussi que les gardiens ont pas mal changé par rapport à FIFA 14. Voilà. Certains gestes qu'ils faisaient pas, certains gestes qu'ils ne font plus. Ça n'arrive plus à faire. Et certains matchs qu'ils réussissent et certains matchs qu'ils réussissent. C'est pour attention ça. Attention à cette perte de balle au milieu. Modric. Mais la frappe. Il a même pas été un petit peu. Si, ça se voyait dans le coin de l'écran qu'il avait levé le drapeau. Notre ami Pedro. Pedro, l'arbitre. Pedro, mi amigo. Et voilà, petite nouveauté aussi au niveau des lignes de hors-jeu, elles n'apparaissent plus. Voilà, ce qui est quand même mieux. Parce qu'on avait quand même pas mal de problèmes avec ces putains de lignes. Problème de rage, c'est avec cette récupération au milieu de terrain. On va encore se confondre, mais cette fois-ci, on n'aura pas la force pour le... Voilà. Modric. C'est pour ça. Rodriguez. C'était la violence. C'est reparti pour une contre-attaque. Cette équipe qui fait toujours aussi mal en contre-attaque. Cette équipe qui a perdu Di Maria. Et j'ai pas eu le temps de bien contrôler. T'as bien sorti ton gardien. Bien attend. Voilà. Il est à la récupération. Et là, j'ai pas fait la bonne place. Donc voilà Di Maria qui est parti au Manchester United qui est en train de plonger le club. Cristiano Ronaldo maintenant. Ouais. Qui s'était pris récemment en BPL. Un 5-3 contre Leicester City. C'est pour dire. Voilà. Et pourtant, alors qu'il menait, alors qu'il menait 3-1 à l'heure de jeu. Manchester United menait 3-1 à l'heure de jeu et ont réussi à perdre. On réussit à perdre. Le défenseur complètement dans le vent. Il trouve son partenaire sur ce terrain. Des fois, il. Je sais pas, il y a. Ouais, ils s'embrouillent dans leur. Bon, c'est un peu plus réaliste, hein, mais. Peut-être un peu trop réaliste. Ouais, un peu trop réaliste. Je pense que cette série, oui, j'ai fini une faute. Tu voulais dire mais je pense que cette série fera peut-être un peu plus de succès que sur Video Gaming QG. Que sur Video Gaming QG et que les coupes européennes et mondiales que tu faisais. Voilà. Je pense. Il y a eu pas mal de vues les finales. Mm-hmm. On arrivait des fois à du 700 vues. Ce qui était pas mal. C'est pas mal. Et sur Video Gaming QG, le premier meilleur 11 avait atteint les 150 vues, ce qui est aussi plutôt pas mal. On rappelle Real contre Chelsea qu'on avait fait. Et voilà, on voit Pépé qui n'est pas en compagnie de Mémé. Je mettrai un petit bruit, c'est. Le bruit du vent, tu sais. Le suicide est une bonne solution pour toi. Cristiano Ronaldo maintenant. Je suis tout seul. Ah, c'est. Modric. Bah, comme d'habitude, Marcelo qui s'est loupé. Voilà. Marcelo, plus connu sous son nom français d'acteur Fabrice Eboué. Il ressemble en plus. C'est vrai, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, on mettra une petite photo au montage. Tout à fait. Et peut-être que si le micro n'est pas aussi bon que d'habitude, c'est parce que c'est le micro de Pedro. Et tu n'as pas fait l'acquisition d'un où tu as payé. Donc c'est celui fourni par la PS4. Voilà. Dès le début. Le micro de Pedro. Par contre, je ne sais pas si la qualité de niveau qualité devrait peut-être être légèrement meilleure que le HDPVR. Belle contre-attaque. Et voilà, il a stoppé quand même. Je pensais qu'il allait virer. Et je trouve c'est dommage que je sois mené de 1 parce que je fais quand même pas mal de. Ouais, pas mal de belles percées. Et là voilà, celle-là qui a malheureusement été avortée par un gardien qui est bon d'un côté mais mauvais de l'autre. Pardon. Ils sont à la lutte. Tous les termes lui vont bien à Tasse. On dit qu'elle est polyvalente. Non, elle est polyvalente dans le jeu, comme il y a tout. Et elle, c'est également dans tous les jeux. Oula. Ah oui, les lobes, on peut aussi le dire qu'ils sont pas du tout pareils qu'avant. Comme les LBY et les têtes. Voilà. Ils sont moins cheatés. Un peu moins quand même. Et les gardiens, voilà. Et on peut dire quand on passe à la défense, c'est pas forcément plus comme dans FIFA 14. Alors ce que je vais faire c'est peut-être un petit truc si vous voulez parce que je vais bientôt prochainement passer parce qu'il faut bien le faire un moment quand même. Faut bien le faire un jour ou l'autre à la PS4 et à FIFA 15
Et du coup, mon équipe de FIFA 14 qu'on ne peut pas transférer ou on ne peut pas transférer les crédits ou quoi que ce soit, je vais peut-être faire un Pixie pour l'offrir. J'ai une magnifique Bundesliga. Re tout le monde, alors la limite de 15 minutes, vous savez, sur PS4 pour filmer. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu une demi-seconde de vidéo coupée. Voilà. Donc, tu disais que tu allais sûrement faire un Pixie. Un Pixie avec mon équipe, ma Bundesliga, ma BBL et ma BPL. Je vais peut-être me lancer dans une Ligue 1, mais elle sera très rapide. Donc vous aurez peut-être une petite Ligue 1 et du Cavani ou des machins. Ouais, comme ça. Ça fera gagner des crédits également. Je ferai peut-être gagner des crédits pour ceux qui restent sur FIFA 14, qui n'ont pas la chance de l'avoir. Vous pouvez gagner aussi toutes mes équipes si vous voulez les revendre et vous faire des crédits. Donc voilà, il y a des bons petits joueurs. Je ne pourrais pas passer du Yatouré parce que je les ai eu dans les packs ceux-là. Mais par contre, des joueurs comme Lewandowski, Schweinsteiger, Neuer, etc. Vous pourrez les avoir. Et c'est ça qui fait plaisir. Voilà. Ainsi que du Royce. Il faut bien sûr être sur PS3 et sur FIFA 14. Voilà. C'est pour ça. Xbox, ça marchera pas mal. Voilà. Pour les abonnés. Allez, Cristiano Ronaldo. Oh, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui enroule sa frappe. Voilà. Et c'est pas passé. Non. Et c'est reparti de l'autre côté. Pourtant, il a les deux pieds, Cristiano, il me semble. Oui, il a les deux pieds. Bien, là tu l'as mis dans le bras. Mmh. Benzema. Attention. Oh. Wow, ils se sont emmêlés là. Mmh. Ils ont fait les défenseurs les uns après les autres. Récupération du ballon. Ça, ballon. J'aimerais bien marquer Ronaldo. Parce que je pense que je mérite. Allez, il est au centre. Ah, de James Rodriguez. Ouais, voilà. On voit quand même que les têtes sont excitées. Hein, ils auraient peut-être. Ouh, Rames, c'est son pied gauche. Oh, et là, il est pied gauche, Rames. Ouais. Là, je savais pas. Il a fait une très bonne Coupe du Monde. Voilà, une magnifique très mauvaise Coupe du Monde, le meilleur buteur. Voilà. Le meilleur buteur, ouais, il avait marqué, je crois, ses 6 buts. Non, 10 buts. Non, pas 10 buts. Soit 6 buts alors. Oui, 6 buts. Ouais. Ouh là là. Et Benzema, ah, dommage. Avec Marcelo qui s'est mis devant, pour une fois, il a servi à quelque chose. Ah, bon, ça. Et c'est... une fois que Marcelo marque pas contre son camp. Voilà. Pour ceux qui ont vu le premier match de la Coupe du Monde, c'est la Croatie. Brésil qui a été humilié totalement. Ouais, par avec Cristiano Ronaldo. On l'avait déjà précisé, il me semble, dans les FIFA spéciales Coupe du Monde. Enfin, non, et puis meilleur la Ligue des Champions. Voilà. On avait parlé rapidement de cette Coupe du Monde. Avortée. Comme la sœur à Alpha. Oh le but. But. Oh le but. Oh c'était violent. Oh le but. Allez, je l'ai dévié. Ouais, tu l'as dévié, c'est pour ça que le gardien a pas plongé. Voilà. Même moi au début, je pensais que ça partait en. Même quand la balle était dans les filets, je pensais qu'elle était à côté. Ah ouais, qu'elle a été contrée. Ouais, oh là là, 3-1. Ça fait un beau petit but quand même. Ouais, Sergio Ramos qui avait. Ouais, le gardien. Ça nous fait comme une petite enroulée. Oh là là. Ah là là. On voit le public qui est quand même très bien. Les ralentis qui sont magnifiques aussi. C'est vraiment la différence. Et donc voilà, je me retrouve mené 3-1 alors que pour l'instant. Alors que tu menais à 0. Alors que je joue bien aussi. Aujourd'hui. On pourrait dire que je joue mal. Demande à ta soeur, elle sait très bien. Et voilà, corner. Corner qui va tirer certainement par notre ami Toni Kroos. Voilà, et là on peut voir les vraies stats de la Liga. Donc je jouais 7 et 12 buts. Voilà. Dont les 5 qu'il a marqué en Ligue des Champions qu'il ne faut pas compter. Il y a 17 buts actuellement. On rappelle le match France-Portugal qui se déroulera sur TF1. Ce soir pour nous. Et très bientôt, avant pour vous. Il y aura certainement l'Albanie entre temps. Cristiano Ronaldo. Le jour même ou. C'est quand en fait l'Albanie? Aucune idée. Parce que la vidéo est sortie est censée sortir dans une semaine. Bon, il fallait tacler, bien joué. Avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, vous pouvez aussi nous proposer des équipes, même si on a la plupart déjà en tête. Voilà, mais n'hésitez pas, on les fera, hein. Vous inquiétez pas, on vous écoutera. Ouais, même si ça. Vous nous proposez la Berrichon de Châteauroux, on pourra faire plaisir à certains. Voilà. Ah, les problèmes de transmission, hein, pour punaise, il a fait la passe trop tard. Karim Benzema. Et j'ai voilà, voulu la repasser à Rodriguez, mais il était tombé du coup. Le tacle en retard, ouais, ça va mériter soit un carton ou un gros carton. Carton jaune, déjà, carton vert. Il y aura peut-être une autre coupure, je pense, d'ici le prochain match. Mmh. D'ici la prochaine. Ouais. Oui, et je pense raccourcir les matchs d'ici la prochaine vidéo. Voilà. Parce qu'il y a eu une coupure. Non, c'est moi là qui. Ah, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça.
Donc, mes joueurs qui vont bien pour une deuxième mi-temps. Il y aura certainement une autre petite coupure, c'est pour ça que je pense qu'on va rétrécir les matchs pour la prochaine fois, parce qu'il risque d'être long sinon. Et ça pourrait être un problème au niveau de l'upload. Très bien. Qui serait assez long pour moi. Et Hernandez qui rentre. La Ainsi recrue. Que Isco. Isco que tu as remplacé par Rodriguez. Non. On n'a pas vu de ton côté. Mess. Voilà, donc il faut après. Et la faute. Voilà, tu vois, c'était pas. Là, c'était pas Ramos. Non, c'était pas Ramos. C'était bien qu'il procède actuellement à deux changements. C'est pour ça. Donc pour l'instant, les roses se mènent. Les homosexuels. Allez, Sergio Ramos. Attention à la contre-attaque. Avec Rafael Hernandez. Tu vas vite, il me semble. Mais moins rapide que Benzema. Il est 82, il me semble. 85 en, 85 en vitesse, mais 72 seulement en accélération. Pour l'instant, je connais que les stats de FIFA 14, donc c'est pour ça que je dois vous donner des stats de FIFA 15. Puisque j'ai pas le jeu et j'ai fait au total 3 matchs, je pense. On a fait 3 matchs avant celui-là, hein, comme ça. Je sais pas. Donc c'est pour ça que je. Pour l'instant, j'ai touché au PSG, à Chelsea et au Real. Et un petit peu à ton équipe. La réception du centre. Qui n'est pas brillant, brillante. Ouais, mais qui coûte très cher au début de jeu en principe. Petit geste de technique. Oh, le gardien, le dernier obstacle. Et voilà, à 4-1. 4-1, alors que je me fais. Alors que pourtant, j'ai fait un très bon match. Ça ressemble à une trompette de santé là pour le Real Madrid. C'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as pas le droit de dire ça. Et voilà, but de Benzema. Notre petit français. Et on espère, nous en tout cas, vous le voir marqué ce soir. Ça sera sympa. Il y aura 4 joueurs du Real, il me semble, ce soir. Bah, Ronaldo, Mbappé, Zidane. L'autre, il est encore en demi, tu sais. Je voulais dire Benzema et Varane. Voilà. Et bah, ça faisait 4 ou 5. Ah oui, en comptant paye. Donc 5. C'est un très bon joueur en plus. Ils sont tous les, presque pratiquement tous les titulaires indiscutables. Ils ont une bonne passe. Embrouille. Et c'est reparti finalement. Moi je l'aurais mis un kick. Hein. Voilà, yes. Et le gardien qui a essayé de lui barrer la route. Ça c'est réaliste aussi, les contrôles loupés. Les mauvais contrôles. Il n'était pas là dans FIFA 14. Ou un peu moins en tout cas. Bon, on les voyait moins. Il se sent bien en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il enchaîne les bons matchs. Ronaldo qui en pointe, peut-être en casse-glace. Allez, contre-attaque propre là. Il vient buté sur la défense. Allez. C'est reparti avec Rafael Hernandez, la défense qui arrête. Et il est blessé. Récupère le ballon sur cette interception. Attention, Abel qui va très vite. Trop vite. En fait, ce que je voulais, c'est stopper le joueur qu'après le tacle. Trop vite et comme en vrai d'ailleurs. Ouais. C'est souvent comme ça qu'il passe. On l'a vu pendant la finale de Ligue des Champions. Enfin, quoi qu'il ait fait une très belle accélération quand même. Ouais, c'est surtout pour son but dans les prolongations. C'est qui avait marqué déjà pour Sergio Ramos. Sergio Ramos avec qualification à la dernière minute, qui avait fini avec le défenseur. Qui avait fini avec Sergio Ramos, le défenseur central qui avait marqué le plus de buts cette saison. Pas Sergio Ramos avec Jérémy Mathieu, les deux défenseurs centraux qui avaient marqué le plus de buts cette saison. Jérémy Mathieu qui a été ballon d'attaque perdu. Voilà, qui a signé au Barça. Qui est passé à 80 dans FIFA. Bonne abnégation sur cette interception. Il avait 78 en FIFA. Jérémy Mathieu. C'est pas un joueur qui me plaît du tout. Pour moi, l'équipe de France, c'est pas pour lui. Pour ça, j'étais très 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 étonné de le voir dans le match, le dernier match contre l'équipe Ivanovic. C'est surtout la Serbie, c'est surtout parce que. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Qui est blessé déjà? Un défenseur central qui est blessé, j'ai complètement zappé. Je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est. Le bordel. Le joueur qui se fonce dedans. Je sais plus si c'est Sako ou Koscielny, mais il y en a deux qui est blessé. Ou les deux. Non, parce qu'il y a Varane et Mangala qui jouent ce match, c'est sûr. Mais Mangala, je comprends pas qu'il joue pas autant. Bah, il va sûrement être titulaire ce soir. Ouais, je pense. L'habitude de jouer avec les Portugais aussi. Ouais, il a joué au FC Porto. Il est où d'ailleurs? À Manchester City maintenant.
Il coûte très cher sur fut. Et voilà, c'est terminé. C'est la fin. 4 buts à 1. Ce premier match contre le premier match. C'est une victoire quand même assez surprenante parce que j'ai pas fait un mauvais match quand même. T'aurais pu marquer plus de buts. Surtout avec Hernandez à la fin qui fait une belle action. Voilà, tout à fait. Comme avec ta soeur, c'est pas les occasions qui manquent. Mais c'est pas pour autant qu'on sauterait dessus. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Voilà, il y en aura énormément d'autres. On compte faire tous les premiers clubs, les équipes nationales, et on passera comme on avait fait dans la saison d'avant aux clubs secondaires qu'on appelle le Manchester United, etc. C'était des très bons clubs, mais qui sont un petit peu descendus malheureusement. Et, voilà. Et c'est dommage pour eux. Et je mettrai l'Atlético aussi dans le lot. Voilà. Donc c'était Pedro et Delta en direct de chez moi. Voilà. Et voilà. En direct de Alpha. Voilà. Direct de Alpha. En direct. Ça veut rien dire. En direct de la sœur de Alpha. Non, je rigole. Voilà. Oh mon Dieu. Surtout que la vidéo n'est pas en direct. Voilà. C'était nous. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Delta toujours. Voilà, exactement. Sur ma chaîne avec. Voilà, et donc, je voulais rajouter quelque chose, mais je savais pas vraiment. Voilà, un petit mot pour la fin, sinon. Allez vous faire foutre, à la prochaine. Cordialement. Allez, salut tout le monde.